Salut à tous les amis, on est de retour sur Namalsk. Ça fait méga longtemps et je sais que je dis cette phrase à chaque fois, mais bon, j'arrive pas toujours à tourner mes vidéos quand je veux, donc il faut faire avec. Bon, du coup, on se retrouve sur Namalsk, sur un serveur que je connais pas. J'ai juste pris celui qui était avec le plus de joueurs, aussi simple que ça, pour qu'il y ait au moins un peu d'action, quoi. Donc du coup on commence sur un serveur avec un mini stuff de base, painkillers, antibiotics, bouffe, boisson, un M1911, pourquoi pas avec 3 chargeurs et un bandage. Ah j'ai aussi une flashlight, ok une carte et une hache, ça va, c'est un stuff assez basique. Ah et on se voit sur la carte, ok. C'est autre chose par contre. Bon, on va dire que c'est un serveur plus facile, plutôt facile que difficile, voilà. Ceci dit, il y a beaucoup de gens, donc ça pourrait vite partir en couille. Bon, Vorkuta est vers le nord, mais il m'intéresse pas spécialement. Ce que j'ai besoin, c'est d'aller. Je suis là, donc je sais que ici quelque part, j'ai déjà fait des kills. Il y a des énormes tourelles, enfin. Tour militaire avec plein d'armes. Donc on va essayer d'aller par là sans se faire défoncer. On va voir ce que ça donne. J'entends un hélico. Ou un arbre qui tombe. Ouais, j'avais oublié sur Namals qu'il y a des effets sonores vraiment dégueulasses. Dans le sens où on te fait tout le temps croire qu'il y a des tirs ou des hélicos. Bon. Je supporte pas être à l'open comme ça. Ok, un zombie qui trace sa route. C'est tout ce que je peux dire sur lui. Ok, voilà l'effet sonore qui rejoue avec ma tête. Encore un zombie. Un peu chiant ces zombies, mais c'est pas grave. Alors. Bon, du coup, on va courir parce que j'ai la flemme de marcher en sneak. Enfin, courir en sneak, c'est trop lent. On va essayer de pas trop être méchant si on croise des joueurs. Parce que ouais, j'ai remarqué qu'en fait c'est marrant hein, mais l'excuse de presque tout le monde c'est ah mais si je le tue pas c'est lui qui va me tuer. Franchement les mecs avec cette mentalité là on va jamais avancer quoi. Donc, sinon pour une petite information totalement random, j'ai mon serveur Theis Origins qui tourne pas mal. Ce week-end, il y aura l'assaut sur Salvation City. Et il y a en moyenne à peu près 10 joueurs. 10 joueurs de co. 10 joueurs que je connais parce que le serveur est avec mot de passe évidemment. Donc c'est bien, les gens se stuff. Et ce week-end, on va attaquer Salvation City. On va essayer de faire ce qu'il faut pour défoncer chaque mob et essayer de trouver le maire pour le tuer, parce que le maire détient des informations en fait sur un laboratoire secret du patient zéro. Ce serait bien d'y aller et de défoncer le patient zéro, enfin son laboratoire en tout cas, voir ce qui se passe, comprendre un peu plus l'histoire de Days, parce que Origins c'est en quelque sorte une sorte d'explication sur Days, avec le patient zéro, avec Salvation, blablabla. Il y a un animal à 100 et quelques mètres, hein, apparemment. Ah! C'est un hélico là-bas. Ok. Ça va, ça devrait le faire, hein. Il y a une tour de chasseur juste à côté et un zombie qui m'a aggro, évidemment.
Évidemment qu'il m'a aggro. Quand je m'approche de choses dangereuses, c'est tout ce que j'ai besoin, une horde de zombies qui me pourchasse. Bon, du coup, il y a une tourelle de chasseur, un hélico. J'espère qu'il n'y a personne qui est sur cette tourelle de chasseur là. Enfin, tourelle, tour plutôt. C'est pas vraiment une tourelle quoi. Il me chasse toujours. Hop, technique du sapin. Lâche-moi. Je n'existe plus. Ok, on va essayer de tracer notre route. Bon, j'ai perdu ce con. Ok, donc à première... Est-ce que j'ai des jumelles? Non. À première vue... mon jeu a freeze. Ok, on est de retour. Désolé, mon jeu a freeze de... je ne sais pas d'où. Mais en tout cas, c'est un petit little bird. Je suis quasi certain qu'il est complètement pété. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est... C'est les joueurs qui l'auront vu parce que franchement, faut le faire hein, pour le rater quand même. Ou potentiellement les joueurs qui sont déjà dedans. Ou potentiellement les joueurs qui sont cachés dans une forêt en train d'attendre quelqu'un pour s'approcher pour le snipe. Hein. Donc, plein de possibilités, mais on va être fou, on va avancer genre tout droit. Je devrais pas faire ça. Ah merde. Ok, attendez, je vais vite faire régler le petit problème de... Voilà. Alors, on va pour l'instant s'occuper de des petites baraques qui sont juste là, là. Zombies. C'est quoi, c'est deux tours... Non, j'ai cru que c'était deux autres tours de chasseurs. Ok. Quelques bâtiments là-bas, pas mal de zombies, mais je vois aucun zombie excité, donc ça doit être bon. Bon, on va s'approcher peu à peu, hein. Je vais pas attendre trop longtemps non plus, je suis assez impatient comme personne. Bon, je sais, l'hélico est complètement défoncé, c'est obligé, et le jeu refreeze. Hein. Désolé les amis, j'ai quelques freezes insupportables sur le jeu, je ne sais pas pourquoi. Ah, avec du fuel, cet hélico vole. Je dois juste noter où je suis parce que ça pourrait être très très intéressant. Un little bird dès le début si je trouve... Si je trouve quelques jerrycans, je vais vite fait fouiller cette tente, on sait jamais. On va prendre ce qu'on a. Hop. Ok. Ok, c'est un russe hein, ça, hein, qui casse les couilles. Hein. Ah là là, il me casse les couilles. Done for you. Enfoiré, hein. Bon. Ok, donc on va vite fait se cacher et noter cet endroit. On sait jamais, on pourrait revenir prendre ce petit little bird, ce serait pas mal. Alors, où est-ce qu'on est? Non, 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 merde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah tant pis, ce qui est fait est fait. Bien joué, Phoenix, bien joué. Montre à tout le monde qu'il y a un truc intéressant là. Le serveur a l'air d'être rempli, rempli de joueurs et rempli de Russes surtout.
Et les Russes, comme on le sait très bien, sont très instables, hein. Très très instables. Donc on va voir si ils sont friendly ou pas. Ok, c'est Vorkuta ou quoi là? Évidemment, c'est Vorkuta. Je suis juste à côté de Vorkuta. Je vais me faire sniper le cul, moi. Je vais te faire entrer dans cet endroit, voir ce qu'il y a. Surveiller mes côtés. Hop. Ok, c'est un cimetière avec une sorte d'église. Il faut que je fasse gaffe sur les toits. Bon, bah niveau stuff de base, on va être bien, mais c'est un peu de la merde tout ça, hein. C'est pas. Il me faut une arme. Le top serait de commencer avec une bonne Lee Enfield. Mais je vais pas cracher sur un peu de coca, hein. Ça c'est clair et net. Ah, il y a un haut. On devrait visiter. Oui, on va aller visiter. Ça a l'air pas sécurisé du tout. Je sens que je vais me casser un os. Est-ce que je passe là? Oh. Ok, c'est une sorte de tourelle de chasseur. Avec un peu de stuff. Bandage, ah bah oui, je prends. Hit pack, oh, un hit pack Anamalsk. Alors ça. Ça, si vous trouvez, c'est win-win. Bon, je vais descendre d'ici le plus vite possible. J'ai une putain de cible là. Est-ce que je devrais visiter Vorkuta comme ça à poil? Je pense pas. Ah putain, maintenant j'ai une chaîne rouge, ça commence à m'énerver là. Ce serveur depuis tout à l'heure, quelques frises, puis chaîne rouge. Ok, toi tu m'as vraiment fait peur, enfoiré, va. Bon. Vorkuta ou pas. Vorkuta, c'est quoi ce bruit? On aurait dit qu'il y a quelqu'un. Ok, il y a eu une explosion vers Vorkuta. Ça présage vraiment rien de bon. Homme, c'est un zombie. Du coup, le petit Little Bird est juste à côté de Vorkuta. C'est un peu la merde. Ça continue d'exploser. Je pense que quelqu'un s'est crash. Correction, quelqu'un a une sorte de lance-missile là. Bordel de merde. J'espère que vous avez entendu ça, hein. Ok, des tirs juste à moi. Ok, je me tire d'ici. Je me tire d'ici sans attendre. Sans moi. Allez, yoink! J'ai entendu un tir de M1911 vraiment pas loin. Ok, ça retire. Si je l'entends, ça veut dire que c'est vraiment pas loin. Et en plus, un bonhomme au bazooka. Je veux pas rester plus longtemps que ça ici. Je me tire moi. Petite tourelle de chasseur juste là au-dessus derrière Vorkuta, on va vite fait la fouiller. C'est très risqué, mais il le faut. De toute façon, je suis à poil, donc si je crève limite, c'est pas trop grave. J'ai rien de valeur, donc on s'en fout un peu. Hop, on va monter comment on... Allez. Il est totalement vide, hein. Non, il y a un chargeur de G36 que je vais prendre quand même parce que on sait jamais si je trouve un M4 ou une connerie comme ça. Les G36 sont compatibles avec M4, M16 aussi je crois. Donc, hop, et je m'enfonce dans la forêt. Oh putain, sérieux quoi, ta gueule. On va profiter pour Hey guys, what is going on? Voilà.
Can I speak to somebody? Can I Oh speak to non 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 Charlie? non, s'il vous plaît, commencez pas à parler comme des cons. Bon, ils se sont calmés. Je supporte pas, il y en a un qui parle, l'autre qui s'excite, l'autre qui s'excite, l'autre qui s'excite. À la fin, c'est la putain de fête, tout le monde parle comme des putains de connards. Ouais. C'est marrant, c'est un enchaînement en fait, il suffit qu'il y en a un qui se lâche, c'est fini quoi, tout le monde pète un plomb. Moyen d'ouvrir ça sans se casser une jambe. Ah, un Makarov, no thanks. C'est de la merde les Makarov. Ok. Papier toilette ou quoi, putain? J'ai vu une autre, un autre truc de chasseur un peu plus loin là-bas, que je vais vite fait aller fouiller. Ah là là, Vorkuta. Très dangereuse ville. Très dangereuse ville. Bon, cependant, c'est pas mal parce que je commence avec un M1911 et ça peut être très dangereux potentiellement. Mais il faut vraiment que je sois très près de ma cible, sinon ça sert à rien. Toile, la tour de chasseur est Gâchis, juste là. bandit, bandit, gâchis, mignon, viens close to you, gâchis, mignon. Viens. Ah putain de merde. Gâchis, davai. Davai. Ah, Bon, fucking. davai, stryai. Et un autre. C'est comme ça qu'on finit avec la moitié des Y'a gens. quoi? Putain. Oh putain! Comment j'ai fait pour pas voir ces zombies? Bon, de toute façon, cette tour est useless, y'a aucun loot. Allez, on se tire. On se tire d'ici. Aussi vite que possible. Le pire sur cette map, c'est que j'ai même pas envie d'avoir une bagnole. Oula. Putain, mais comment j'ai pu rater ça, sérieux? Comment? Comment j'ai fait? Il y a du stuff là-dedans. Ouais, forcément, forcément du stuff. Les blabons! S'il te plaît, lâche-moi. Dans le chemin! Que je devrais le tuer, ça ferait trop de bruit inutilement. J'essaie de jouer sneak. Allez, casse-toi, casse-toi, dégage. Bon, on va le laisser là. Amuse-toi avec l'arbre. Ah bah non, tu veux t'amuser avec moi, toi, enfoiré. Bah. Oh là là, monte! Oh là là, je sens que je vais me faire agresser là. Je sens que quelqu'un va me tirer dans le dos. Pff, pas du tout safe, pas du tout safe. Je suis nul. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je le fais, tu vois. La logique phoenix. Putain, par contre, il y a du loot hein, sur ce truc, bordel. Oh my god. Bon, finalement, peut-être que j'aurais dû le faire. Ça commence à devenir intéressant. J'ai remarqué qu'il y avait un gars là. Je me bats en dash. Hop. J'ai pas envie de tirer avec la M4. Bon, est-ce que je devrais monter en haut ou pas? Putain, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a en haut quand même. Hein. Je sais que ça fait gros rat, mais on sait jamais. Hein.
savais même pas qu'il y avait du bon stuff comme ça sur ces tours-là. De la merde, on peut descendre. Bon, la question est si je devrais visiter les autres tours. J'ai une bonne petite arme, je devrais peut-être partir. Alors, si un zombie monte ses échelles pendant que je descends, je vais péter un plomb. Oh putain, il m'a fait tomber. Culé de zombie de merde. Putain, je viens de remarquer qu'il y a 15 000 tours comme ça, bordel. J'ai jamais été sur cette zone, pourtant j'ai pas mal joué à Namalsk. Ça doit être une zone très très convoitée niveau players, et ça me dérange un peu. Putain, mais arrête de faire ça. On va vite fait vous perdre là-dedans, les amis. Oh, y'a un moteur et une vitre. Oh shit, y'a du stuff ici. Rien d'intéressant. Oh nice, ça c'est un peu protégé au moins. Vite fait fouiller tout ça. De toute façon, comme je vous ai dit, je viens de commencer. Si je me fais down, c'est pas trop grave. Oh, Oubliez les dames. ok. C'est une AK-74 ou 47, ça, bordel. Carte, hitpacks. Oui, c'est bon ça, des hitpacks. AKM, ça doit être une AKM. Morphine, j'en ai déjà. Ah, bandage, ça, je prends. Être à court de bandage, c'est la chose la plus ridicule possible dans Days, mais ça m'est arrivé une fois et je suis mort à cause de ça. Saigner comme un porc. Prochaine étape, c'est un gros sac. Oh, les zombies sont plutôt excités. Calmez-vous les mecs, hein. Tout ira bien. Ah, il y a le zombie que je préfère là. Le oui oui oui. Allez, salut les gars. On s'est pas vu. Bon, puisque je suis là, je vais vite fait visiter le dernier truc. On sait jamais si je trouve mieux qu'une M4. J'y crois pas trop trop, mais on va essayer de semer les zombies quand même. Je veux vraiment faire le. Allez, aucun bruit quoi, je veux être inaperçu ici. Même si je sais que c'est très dur de le faire. Ça m'empêchera pas d'essayer. Oh putain de merde. Oh. Allez hop. Ça sert plus à rien de se cacher. Là, j'ai aggro toute la famille ici quoi. Y'a pas moyen de faire plus de mobs là. On va prier que ça ne parte pas en sucette et qu'ils bug comme des idiots comme ils font toujours. On va aussi prier. Ok, j'ai vu une arme là-bas. Vite fait, vite fait. C'est quoi ça? J'ai 36C. Oh shit. J'ai 36. Non, je vais garder ma M4. Je préfère la M4. Je sais, c'est ridicule. Enfin, non, c'est pas ridicule. Ah ah ah, c'est quoi ça? Une AKM. Il y a des chargeurs d'AKM là-bas, mais je vais garder la M4. Ça c'est. Ok, on peut se casser d'ici et au plus vite.
Cet endroit aura été très 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 intéressant. Oh god, là. Désolé, là. Putain, mais. Ah, oh, ce galérien, dit. Putain de merde, quoi. N'importe quoi. Allez, descends, descends, descends. Come on, come on, come on. Oh, ce truc! Vous avez vu ça, hein? Heureusement que ça va pas casser une putain de jambe. Allez, salut les gars, moi je me tire. Allez vous faire foutre. Zombie de mes deux. Voilà. Je vois ma salvation. Ma salvation. Juste en face de moi. Je me tire dans ces forêts. Et je m'éclipse. Vous m'avez pas vu les jambes. Vous m'avez pas vu. C'est quoi cette tour là-bas? Ouh. Ouh. C'est une belle tour ça. Vite fait voir où c'est dans la map. J'irai peut-être la check vite fait vite fait. Je crois que ça c'est les grosses grosses tours. Bon, personne m'a cramé pour l'instant. On va se cacher. Alors où est-ce qu'on est nous? Ok, on est là, on était là je crois. Là il y a l'icône, alors là je retourne. Le Sebjandam. Lubjansk. Lubjansk c'est pas mal, mais c'est un peu vide. Il y a une base militaire cependant là-bas. On devrait peut-être aller là-bas. Ouais, on va aller là-bas, on va se déplacer jusqu'à là-bas. C'est pile poil derrière moi. Bon, c'est un peu cheaté ce truc avec la map, mais vu que j'ai pas de boussole, je peux pas trop me déplacer. De toute façon, j'avais pas le choix, hein. C'était le seul serveur où il y a plein de monde. Et jouer seul, c'est chiant. Ce qui est ironique, c'est que je prends toujours les serveurs les plus peuplés, mais je préfère éviter le contact des joueurs. Mais cependant, quand il y a du contact, c'est fun aussi. C'est intense et tout, donc je préfère mettre des joueurs en plus. Putain, je sais pas pourquoi, mais allez, sors là, mon grand con. Oh, j'aime bien ce truc, j'aime bien, j'aime bien. Donc, comme je disais, voilà, quand je cherche un serveur, je veux qu'il soit peuplé, mais quand j'y joue, j'évite de croiser des joueurs. Ce qui est totalement stupide finalement, j'aurais pu prendre un serveur paumé tout seul, mais il n'y a aucun challenge là-dedans, donc on va éviter. Je sais pas du tout depuis combien de temps je suis en train d'enregistrer tout ça, donc on va dire, je sais pas moi. On va continuer, hein. On va continuer, peu importe. Récemment j'ai upgrade mon internet donc je peux upload genre 5 fois plus vite, ce qui me change totalement la vie. Parce que j'avais une upload vraiment dégueulasse. Là maintenant je peux foutre des vidéos de 30 minutes en 30-40 minutes. Donc j'ai un fucking zombie qui me suit. Je vais lui apprendre le respect à lui. J'y arrive pas. Ok, j'ai raté. Bien joué Phoenix. Qu'est-ce que tu lootes à 40C? Non. Je suis pas intéressé. Vite fait, check ma route. C'est bien par là. On va continuer notre petite aventure. Mais en tout cas c'est chiant parce que c'est la deuxième, allez, c'est la deuxième tentative que je fais de faire une sorte de playthrough sur Namalsk parce que j'adore cette map.
Mais la première fois, j'ai joué et ça s'est super bien passé. J'étais à l'object A2, je crois. Mais ils ont fait une mise à jour de la map. Donc j'ai mis à jour mon jeu, mais le serveur sur lequel je jouais n'était pas mis à jour. Donc j'ai attendu. Au final, quand ils ont fait la mise à jour, je me suis connecté, j'avais plus rien. Donc voilà. Ce qui m'a encore chié à la gueule comme d'hab. Puis une deuxième fois j'ai joué, j'ai croisé un pauvre petit con qui était le pire viseur du monde entier et de la galaxie et de ce que vous voulez. Qui a quand même réussi à me casser une jambe. J'étais paumé en plein milieu de nulle part, en train de crever de faim et tout. Et je m'échappais quand je me suis fait boxer par un zombie par terre et il m'a bouffé. Bon, enfin bon, tout ça c'est en vidéo aussi. En tout cas, c'est pour vous dire que j'ai vraiment pas eu de chance pour Namalsk. Autant j'ai bien commencé, mais autant ça s'est très très mal fini. Et autant vous commencez à me casser les couilles. Alors, salut. Allez, viens, viens rejoindre ton pote. Je suis là, hé, hey, je suis là. Wow, Warrior. Toi t'es un warrior, toi, respect. Qu'est-ce que tu lootes? Une canette vide, hein. Ok, on va vite fait check ça. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Ok, y a quelques trucs. On va vite fait check ça, on va voir ce qu'il y a. C'est quoi, c'est un broken GPS? Comment je répare un broken GPS? Je peux le prendre? Bon, je veux le prendre, on sait jamais. Un épipène et une morphine. J'ai déjà 3 morphines, une quatrième, why not? Enfin non, j'en avais 2, je pense. Donc une troisième, why not? On va continuer notre petite route. Hop, sortir la M4, on sait jamais, ça peut vite partir en couille. Pour dire ça plus poliment, ça peut vite dégénérer. Je sens le froid dans le dos, hein, je sens le vent là. C'est encore. Putain, mais. Je crois que j'ai déjà été ici. C'est une zone un peu paumée avec plein de forêts et plein de. Ouh! Je suis vraiment désolé, chèvre, mais. Tu ne me laisses aucun. Tu t'es pris une balle dans la tête, s'il te plaît. S'il te plaît, ne tue pas le réalisme qui est déjà. J'ai aucune place. Putain, je vais boire un coup, j'ai plein de coca. Alors, je vais vite fait. Quoi? Oh, j'ai pas de couteau! Ah putain, je suis vraiment désolé, chèvre. Hé, tu m'entends? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je suis vraiment, vraiment désolé. Tu as une très bonne bouche à pipe. Bon. On va continuer, du coup. Je suis désolé pour cette chèvre. J'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait. Et il y a du zombie. Pas mal de zombies par là, on va essayer de tourner à droite là, dans les flanks. Heureusement le flank ne fonctionne pas aussi bien sur les zombies que sur les joueurs parce qu'ils n'ont pas de logique, ils suivent des lignes complètement ridicules d'ailleurs. En parlant de lignes, le dernier dev block, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est on va dire l'évolution de Days, donc le jeu Days Standalone. Et ils ont bien bien corrigé les zombies, j'ai vu ça, j'ai ah, un couteau juste là, c'est une blague. Hein. Oh putain. Chèvre, tu seras finalement pas gâché. Ah bah les gars, si ça c'est pas de la chance. Je retrouve ma chance sur Days. Je veux pas m'en plaindre. Bon, il faut juste que je n'aggro pas ces connards.
Allez, on retourne. Vite fait. Gutter cette pauvre chèvre. Bah finalement, vous voyez. Ah, apparemment le serveur est en train de tomber, ils veulent des dons pour le tenir en... Oh, découper l'animal. Ne regardez pas, ça va être gore. Oh. Oh. Tu donnes que deux viandes en plus, mais t'es un radin. Mouton cru, ah c'est du mouton ça. Je dirais une chèvre. Ouais, Daze a raison, c'est vrai que ça ressemble très fort plus à un mouton qu'une chèvre. Surtout avec des cornes comme ça. On va pas. Qu'est-ce que je fais moi du coup, putain, j'ai. En fait il me faut de la place dans mon sac. Hein. Pourquoi j'ai ce chargeur de merde moi? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux jeter? Ah bah ça je dois jeter, putain, et pourquoi j'ai ça moi? Trop de la merde ce truc est inutile. Oh, ça me casse les couilles, ça me casse les couilles. Hein. Bon, je veux manger ça, de toute façon j'aurai de la bouffe. Alors, déjà toi, tu disparais. Ok, ça me l'a remis dans mon sac parce que je l'ai pas fermé. Fait chier. Quand je fais abandonner quelque chose, je veux qu'il soit abandonné. Voilà ce qui me casse les couilles, c'est l'inventaire de Daze. Putain, il faut vraiment. Et voilà, il l'a repris. Putain, non, ça va, c'est le sol. Est-ce qu'il est sur le sol là? Oui, il est là. On doit encore abandonner un autre truc, on va abandonner un coca. Voilà, comme ça je peux prendre du fucking bois. Voilà, je vais prendre du bois, faire un feu, chauffer la viande, bouffer une viande, garder une dans le sac. Dès que l'animation s'arrête. J'espère que ça va pas attirer du monde. Comme un petit campeur content. Ta 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 ta. Alors, ok, le feu est là. Comment allumer l'incendie. On va vite fait cuire la viande. Cuire viande. Voilà. Et de 1. Allez, madame, dépêche-toi, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'espère qu'ils vont mettre de nouvelles animations pour tout ça parce que c'est ridicule, mais. Trop ridicule quoi. Hop, deuxième viande. De toute façon, on a plein de bouffe, donc ça c'est bien. Cuire viande. Allez, fais ton animation ridicule. Regardez ça, regardez ce qu'il fait. On dirait qu'il attache des lacets. Non. Non. Je vais éteindre ça pour éviter un feu de forêt. Je suis pas comme ça. Il faut préserver les forêts, c'est super important. C'est les poumons de la terre. Et ça fait aussi pas mal de papier. Donc finalement on est là. Juste en face il y a le camp militaire. Je ne sais pas depuis combien de temps je tourne cette vidéo, mais je pense que je vais vite faire les vidéos. А что так народу мало на сегодня? Oh fuck. Чудака случайно нету? Да, тут заходит 20 минут уже. Жду пока перезагрузится. Да, 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 то же самое. Убивает. Жду пока загрузится. Désolé les amis. Ces connards de russes. Oh, je dis ça mais j'ai des amis russes et je parle russe en même temps donc c'est pas des connards mais bon ils se cassent les couilles peu importe qu'ils soient russes allemand, français, anglais, j'en ai rien à foutre. Quand ça parle dans le side channel comme ça me casse les couilles. Cependant il devrait vraiment introduire un système de radio aussi dans Daze. Tu trouves une radio et tu peux communiquer avec une équipe qui a une radio aussi. De toute façon Daze c'est ça, hein. il y a tellement de trucs à améliorer, voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Le jeu est fantastique comme il est et
Ah oui, je parlais de ça, donc de Days Standalone, putain, et j'oublie ce que je dis toutes les 5 secondes, c'est excellent. Donc Days Standalone, ils ont prévu des trucs monstrueux et les zombies ont été améliorés et tout. Allez sur YouTube, tapez dev blog vlog, je sais plus. Vous allez voir tout ce qui a été amélioré, c'est juste excellent quoi. Hein, c'est vraiment vraiment excellent. Allez, vite vite vite, fais ça vite. Le zombie évidemment il va passer dans le mur. Ah bah non, même pas. Bon, on est au camp militaire. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais crever ici. Alors, vais-je clamser, vais-je trouver un DMR? Telle est la question. Déjà, il n'y a pas de DMR, ça c'est clair et net. Hein. Cependant, il y a bien un zombie pour me casser les burnes. Et si je tire, je vais avoir toute sa famille qui va venir. Allez hop, on va le faire clean. Voilà, ça c'est du bon boulot ça. Hop. Ok, oh, putain, allez. Non, 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 putain, y'a rien les amis. Oh, oh, y'a rien du tout, ça me les brise. Sauf cet AK, mais ça m'intéresse pas. Là-dedans, y'a quoi? Ah, M240, bien chez papa. Bon, finalement les loots sont pas si mal que ça. Putain, c'est encore le même zombie. Juste check si j'ai pas raté des munitions de ce M240 justement. Allez, colle-toi au mur, attends. Voilà, je vais le forcer à se coller au mur de droite, comme ça je peux courir au mur de gauche comme ça à côté. Moi je suis parti les mecs, ni vu ni connu. Y'a rien d'autre ici je crois. Bon, je vais vite fait vérifier. Non, y'a rien, on va pas se... Comment, roulade like a pro. Oui. Bon, du coup je termine avec une magnifique M240. Avec 100 munitions, ça devrait suffire pour faire pas mal de dégâts. Et du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là, une tente. Je vais clairement arrêter la vidéo ici. Et on continuera la suite demain, j'espère. Je vais essayer de tourner au moins une vidéo par jour. Comme d'hab, si vous avez aimé cette aventure très peu dynamique, ni niveau joueur en tout cas. Mais c'est du Days, hein. Il y a des épisodes comme ça aussi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit en favori, peu importe. Abonnez-vous et j'en ferai... Dès que je peux, encore plus et plus. Ciao les amis.